dis donc, toi l'invité. Ok, ok, ok. Claudie va te poser des questions. Ok, ok, ok. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Zao, grand frère, bonne arrivée. Merci, merci Claudie. Ma télé pas, deux nouveaux combattants. Ma télé pas, deux nouveaux combattants. Moi, je suis un nouveau combattant. Je n'aime pas la guerre, ouais. Moi, je suis un nouveau combattant. J'en ai marre de la guerre. Les maîtres du marketing n'auraient pas fait mieux en baptisant le nouvel album, Nouveau Combattant, toi qui es le propriétaire d'Anciens Combattants, cette chanson qui nous accompagne encore, que les très jeunes connaissent par cœur, c'est assez impressionnant. Pourquoi Nouveau Combattant ? Es-tu aujourd'hui le Nouveau Combattant et qui sont ces Nouveaux Combattants ? Ah mais vous savez, avant de passer au Nouveau Combattant, il faut toujours faire un clin d'œil à l'Ancien Combattant. Mm-hmm. Donc c'est une suite logique. Et j'ai voulu donc... Maître Ancien Combattant, parce que je suis né dans un milieu, dans un monde où il y a trop de guerres. Vous voyez, je suis en face de la RDC, il y a le Katanga, il y a l'Angola, il y a le Rwanda. Et par-ci, par-là, moi en tant qu'artiste, ça m'a tellement interpellé. J'ai dit que tiens, en dehors de 44, 14-18, 44, 45, il y a aussi de nouvelles guerres. Il y a de nouveaux foyers de tension, de guerre, tels que ce que je viens de citer. La RDC, c'est vrai. La RDC. Puisque dans le titre, tu dis, voilà, j'ai violé, j'ai tué des enfants voilà, soldats. Voilà. Donc moi, en tant que musicien, comme je dis toujours, les musiciens ne sont pas des pyromanes. Ils ne jettent pas l'huile au feu, mais plutôt, ils conscientisent un peu, ils interpellent. Ils interpellent les gens que la guerre, c'est pas bon. Surtout nous en Afrique, on n'a pas besoin de la guerre. Maque le pas, un, deux, ancien combattant, Unasuki. 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 Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades, ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Avec le coup de matraque, tout à coup, patatra, cadavère. Le peuple, cadavère. Les militaires, cadavère. Est-ce grâce à un homme comme Malonga Léon que tu as aussi décidé d'avoir un lieu culturel où tu allais enseigner, transmettre l'art de la musique, du chant, de l'écriture aux plus jeunes, aux jeunes générations? Et voilà. Parle-nous de ton lieu culturel. Malonga Léon, Malonga Léon, il a laissé pas mal d'adeptes. Il a un jeune garçon qui est universitaire, mais il est à l'université. Avec qui il a initié sa 700 ans, que quand vous l'écoutez, cet instrument-là, c'est un instrument à trois cordes. Et cet instrument-là, il a laissé ça à un enfant qui est universitaire, mais qui aussi, qui joue exactement comme Malonga Léon. Et c'est comme ma démarche à moi, je donne toujours la possibilité aux jeunes de suivre, d'apprendre les instruments, de venir dans mon espace, l'espace Zao, de toucher aux instruments, parce que chez nous ici, les instruments, coûte cher. Ça coûte cher, mais c'est aussi denrées rares, parce que les enfants, dans le quartier, ils tapent seulement aux boîtes de conserve, ils tapent dans des cartons, sur des cartons, mais quand ils arrivent à l'espace Zao, ils trouvent quand même, ils retrouvent les bons instruments, les instruments bien accordés, les pianos, la guitare, et je pense que c'est une façon de leur donner la main.